Bien, donc j'ai enfin passé, après avoir passé plus d'une heure dans ma maison pour réussir à stocker tout ce que je voulais, revendre tout ce que je voulais, tout ça, je vais pouvoir me rendre ici, voir ce qui se trame ici. Parce que voilà, le jeune Aventus Aretino m'a demandé d'éliminer la gérante de l'orphelinat. Elga la Douce, ou Elgra la Douce, ou je sais pas exactement son prénom. Donc voilà. Tous ceux qui manquent à leur obligation recevront des coups de fouet supplémentaires. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, Grélode. Grélode la Douce, une voilà. dernière chose. Je ne veux plus entendre parler d'adoption. Aucun de vous ne sera jamais adopté. Personne n'a besoin de vous et personne n'a envie de vous. Voilà pourquoi vous êtes ici, mes chéris. Voilà pourquoi vous serez toujours ici, jusqu'au jour où vous serez en âge d'être jetés dans le terrible et vaste monde. Alors, que dites-vous? On vous aime, Grélode. Merci pour votre gentillesse. J'aime mieux ça. Tu parles d'une gentillesse. Mes petits mioches. Comment ça, ça ouvre sur Fayez, moi je suis rentré par là-bas. Grélode me terrorise. Le jour où Aventus s'est échappé, elle est devenue folle et elle m'a battu deux fois plus fort. Constance! S'il vous plaît, madame. Vous devez m'aider à partir d'ici. Depuis qu'Aventus s'est enfui, Grélode est devenue encore plus méchante que d'habitude. Grélode la Douce et la pire arrive tout bord de ciel. Qu'est-ce qu'elle raconte-t-elle? Laissez-moi m'en charger, ce n'est pas un problème. Vous n'avez vraiment rien à faire ici. Grélode est toujours comme ça? Malheureusement, oui. Même les citadins se sont mis à l'appeler Grélode la Douce. Son existence même est devenue une sorte de gag récurrent. Grélode tient cette orphelinat parce qu'elle est vieille. Elle a ses petites habitudes et qu'elle ne connaît rien d'autre. Ses enfants ont besoin d'amour et de bien-être. J'essaie de... Mais... Je regrette. Vous devriez partir. Il n'y a pas d'enfants à adopter et c'est cruel de le leur faire croire. En plus, Grélode n'aime pas les visites. Ok. S'il n'y a rien d'autre, je dois vous demander de partir. Que voulez-vous? Vous n'avez rien à faire ici. Non, non, je vais pas vous lui dire. Vous avez accaparé assez de mon temps. Partez maintenant. Je suis désolée, mais il n'y a pas d'enfant à adopter. Vous devriez partir. Non, ben je reviendrai la nuit. Hop là. Bon, ben on va attendre quelques heures. Qui commence à faire nuit, que tout le monde soit au lit. Voilà, le jour se couche. Et il y avait une deuxième entrée. Ah d'accord, ils ont une cour intérieure en fait. Ok. Oh attends, ça doit être fermé normalement. Voilà, 8h du soir. Je vous l'orphelina, mais je pense que je vais pouvoir ressortir. Ils sont pas encore couchés. Constance! Oui, Grélode. Il va falloir que l'arrête de gueuler, Grélode. Depuis des mois. À ce rythme, nous aurons éternellement ces sales gosses sur les bras. Tu sors d'où, toi? Nous devons en parler autour de nous, organiser une vente si nécessaire. Je m'en occupe. Pas la peine d'en faire tout un fromage. Je croyais que vous voulez pas les faire adopter les gosses. Bon, j'attendrai une heure, hein, même si je suis à l'intérieur. Voilà, tout le monde au lit, allez. Hop. As Yanir. Bon, ben, je peux encore attendre une heure, hein. Allez, couchez-vous tous. C'est encore un... Ah, il y en a quelques-uns qui sont... Ils sont en train de se coucher, les petits. C'est bon, il n'y a que elle, là. Voilà. Elle va pas me voir. Alors. On va prendre la pierre de l'ombre.
On va faire un petit F5 hein, parce que j'ai pas envie de merder cette mission. Donc, rejetons des ports. Rejetons des ports, qu'est-ce que c'est ça? Le livre. Rejetons des ports. Rejetons des ports par Tristan Dufléau. Les elfes du monde machin, les sages ne se souvenir d'une époque où les orques n'ont pas ravagé notre continent de Tamriel. D'accord, c'est une ode à la destruction des orques. Allez hop. Que voulez-vous? Vous n'avez rien à faire ici. La confrérie noire est arrivée, Grelod. La quoi? Comment osez-vous? Je refuse de me laisser intimider dans mon propre orphelinat. Sortez! Sortez immédiatement! Vous essayez de m'effrayer. Bon, mais tant pis, je voulais juste t'avertir, j'aurais dû dire l'autre. Vous avez le bonjour d'Amathus. Eh, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Bon, ça va. Je suis invisible. Assez. Voilà, tous les gosses y rentrent. Arrêtez, je me rends. Super. Eh mais quelqu'un a tué Grelod. Grelod est morte. Aventus a réussi. Grelod la douce est morte. Passé, sauvé. Bon, mais apparemment tous les gosses ils sont contents. Mais c'est cool. Bon, ben voilà. Bien, ben maintenant j'ai plus qu'à attendre que la confrérie me recontacte. Parce qu'ils vont savoir que c'est moi. Alors, comment on sait pas. T'es qui toi? Yol! Bien le bonjour à vous, camarade. Puissiez-vous rencontrer la mort, l'épée entre les mains? Suis-moi. Je suis sur vos talons. Voilà, mon acolyte Mjol. Ma mère était une femme forte. C'est elle qui m'a enseigné les rudiments du maniement de l'épée. Donc, je récupère Mjol. On va aller à la guilde des voleurs, même si tu les aimes pas. Je m'en fiche, moi il faut que j'y aille. Pour terminer ma quête. Donc maintenant, voilà, pour la quête des assassins, j'ai plus qu'à attendre qui me recontacte. Allez, guilde des voleurs, on va terminer quelques quêtes. Hein. Voilà, merci bien. Bon, alors, comment il s'appelait déjà le maître de la guilde? Je me rappelle même plus comment il s'appelle. Quel plaisir de vous revoir. Ouais, mais. Oh, chose. Hey. Eh ben, mais vous faites un mur là, sans déconner. Vous pouvez pas vous déplacer ailleurs que tous à l'entrée en même temps. Comment il s'appelle ce couillon? Salut Saphir. Oui. De retour d'une mission, hein. J'espère que ça s'est bien je passé. Je croyais c'était. Putain, comment il s'appelle ce couillon là que je cherche? Ouais, il doit être à tous les coups, il doit être au temple des Rossignols. Bon allez, j'aimerais bien rendre la balle que j'ai volée à je sais plus là, une voleuse. Waouh. La bague que j'ai volée à Hilda ou un truc comme ça elle s'appelle. Bon, toi. Bienvenue dans notre petit. Si vous cherchez du travail, parlez avec Swadelvin. Ils vous trouveront quelque chose. J'ai conclu un marché avec Rissad. Bien. Je contacte immédiatement mes hommes et je leur demande de préparer des cargaisons. Beau travail. Tenez, laissez-moi vous récompenser pour tous vos efforts.
Qu'est-ce que tu me donnes? 800 pièces d'or. Voilà. Très bien, merci. Ouais. D'après, le Jarl projetait de nous attaquer par surprise, mais elle a réussi à l'en dissuader. Elle a dit qu'elle nous a bien tiré d'affaire. Qu'est-ce que tu racontes? J'en parlerai à Brignolf. Voilà, c'est Brignolf que je cherchais. Vous voulez quelques septimes? J'ai justement ce qu'il vous faut. Don, vous ne devriez pas tromper Bécaire. Je n'en avais pas vu de ce genre depuis longtemps. Non. Ouais. Là, elle me parle des pierres de Berenicia. Je crois qu'il y en a. Certains membres de la guilde sont à leur recherche depuis des années. Écoutez, je vais vous dire. Si vous trouvez les autres pierres, revenez me voir. Sinon, gardez celle-là. Elle vous portera peut-être chance. Bon, je cherche encore du travail. Que voulez-vous faire? Bizarrement, on avait déjà volé cet objet. Voilà pour vous. J'espère que vous n'allez pas tout faire rater. Je ne suis pas prête à faire ma vie avec quelqu'un. C'est peut-être pas elle. Cette situation me convient parfaitement. Oula, Miole, elle apprécie peut-être pas d'être ici. Je m'occuperai bien de vous. Ah, ben c'est toi que je cherchais, espèce d'idiot. Vous cherchez du travail? Je cherche encore du travail, putain, mais... Très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Boulot de pêche. J'ai un client potentiel qui a obtenu un objet de la part d'un parent hors de bord de ciel. Il a peut-être eu tort de s'en... N'oubliez pas les règles. On travaille proprement et en silence. C'est n'importe quoi. Voici les détails. Je n'ai jamais rien vu de plus. Et je suis fière de me sentir chez vous. Qu'est-ce que vous m'en offrez? Regardez d'abord mes marchandises et si elles vous plaisent, nous nous arrangeons. Allez, moi j'aurais aimé te vendre la bague que j'ai parce que de toute façon, j'arriverai pas à en faire. Enfin, j'arriverai pas à la vendre. Et au moins, peut-être si elle disparaît de mon inventaire, elle réapparaîtra chez l'autre. Parce que je sais pas pourquoi cette quête elle a planté. Voilà. L'anneau de Sidla est invisible. Alors, je sais pas pourquoi elle a planté. On m'avait filé cette quête. Si vous voulez bien m'excuser. Toi, je sais pas ce que tu racontais, mais bon, ça devait être dire super intéressant. Qu'on a des talents de voleur, c'est une chose. Brignolf, il est où? Parce que c'est lui qu'il faut que j'aille voir. C'est bon, j'ai terminé les quêtes d'influence. Donc il doit être à la... À la truc des rossignols. Wow, et là ça plante grave là. Hein. Hey, faites attention. Je cherche Brignolf. Ne cassez pas les pieds. Bon, là on va attendre que ça se ferme. On va réactiver pour ouvrir. Voilà, j'aurais dû attendre un petit peu plus. Voilà. Bon, petit Brignolf, t'es où? Tu dois être au mausolée de... C'est un mausolée? Non, c'est pas un mausolée que ça s'appelle. Grotte de cristal. Cristallis, j'y étais à cette grotte. Au siège des rossignols, voilà, c'est là que je vais aller. Bon, ben voilà, au siège des rossignols. Bon, j'espère que Brignolf s'y trouve. Parce que je commence à en avoir marre de le chercher. Parce que bon, ça y est, j'ai terminé toutes les quêtes d'influence de la guilde des voleurs. Je crois que j'ai fait toutes les villes, donc j'ai toutes les trucs qui sont pleines, donc en espérant qu'il soit là. As, Yamir. Pour l'instant, je vois personne. Ah, pas mon acolyte. Ah, ça y est, tu t'es équipé. Ouais, t'es en armure. Armure légère, toi aussi. Je partais régulièrement en expédition de chasse avec mon père. Courir sur les falaises de Morrowind était mon sport préféré. Tu viens de Morrowind, alors. Donc, ici, c'est le sanctuaire, machin. Waouh, je savais même pas qu'il y avait des salles par ici. Une salle d'entraînement, j'imagine. Ouais, un peu délabré. Oh, il y a un coffre. Ouais, vas-y, la tour, j'ai pas envie d'un... Une masse elfique dehors, calamité de mort vivant, ça je prends, la masse je la laisse. Et ici, y'a quoi? Qu'est-ce que c'est ici? Alors, une chambre avec... Ah ouais, la tour c'est une fois par jour en fait, j'ai l'impression. Calamité des morts, je prends...
l'œuvre de la cuisine rouge, je vais déjà, je crois. Hop. Je vais dormir une heure. Ça, je le fais un peu de temps en temps. Brin, t'es où, Brignolf? Parce que autant j'en ai chié pour devenir rossignol et obtenir ce qu'il fallait. Ah, mais il est là-haut. Ah, ben non. Bon, mais Brignolf, je sais pas du tout où est-ce qu'il est passé, cet idiot. Mais tant pis, hein. On le cherchera une autre fois parce que là, je commence à avoir artère de tourner encore pour une quête que j'arrive même pas à terminer. Putain, comment on fait pour devenir maître de la guilde? C'est bon, j'ai fait toutes les mini-quêtes là. Toutes les quêtes d'influence, j'ai fait toutes les mini-quêtes que j'ai pu trouver par-ci par-là, j'en ai fait au taquet. Je l'ai cherché partout, truc des rossignols. Il va falloir que je regarde un petit peu mieux. Parce que Brignolf, il m'avait dit, il me semble, hein, qu'il se trouverait dans la... à la guilde. À la guilde, j'y étais et je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai mal vu, je vais avoir mal vu, mais bon. Il va falloir que j'utilise la console pour le faire apparaître à côté de moi, si ça continue. Bon. Brignolf. Je sais pas trop. Est-ce que je me rends de nouveau à la guilde? Ou est-ce qu'il y sera au moins? Ça fait trois fois que j'y vais, que c'est trois fois que j'y vois pas. Donc j'ai essayé de voir s'il est sur la place du village. Bon, ben maintenant que je suis là, on va attendre qu'il fasse jour. On va attendre 6 petites heures. Et en espérant que Brignolf apparaisse et qu'il vienne vendre quelques petits trucs sur la place. Voilà, Brignolf. J'aimerais bien qu'il apparaisse, Brignolf. Cambriolage, hop. Voilà la tire, hop, fin de l'innocence, informer à une tisse que la mort de Grelod. Ah, faut que j'aille l'informer en plus, ce boss. Je savais pas qu'il fallait que j'aille informer le boss. Bon. Mon époux Berzou ne me survivra pas. Je vends et j'achète. Allez, on n'hésite pas. Tu vas pas bien, ma reine. J'ai vu assez de morts pour les trois vies à venir, et pourtant je ne me lasse jamais de croiser le fer. Qu'en dites-vous? J'ai l'épée qui me démange. Wow, il faut que je change certains trucs. Je peux porter de grosses charges. Qu'est-ce que tu as comme équipement, toi? Un bâton de parjure. 2 points par seconde. Débordement de feu, on s'en fiche. Armure de régène. Je t'avais fait un anneau d'attaque à une main. Bouclier de fer, de verre par feu. Le casque elfique. Je te le prends parce que j'aime pas que tu portes un casque. Voilà. Tout est prêt, allons-y. T'es plus jolie avec ta couronne. Bon, il n'y a toujours pas mon ami Brignolf. Évitez de mettre le feu à quoi que ce soit, d'accord? Bon, ben, je sais pas où il est Brignolf. Je vais me le chercher en off. Et dès que je le trouve. Dès que je sais où le chercher. Bon voilà, bon, ben, je vais me chercher Brignolf en off, et je vais terminer cette session là, et à la prochaine session, j'espère que je terminerai la quête de la guilde des voleurs en devenant maître de la guilde. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt pour la suite des aventures de Nojiri dans Skyrim. J'espère que ces épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un message, un pouce vert si vous avez aimé. Donc, à bientôt. Bonne soirée. Ciao.